Bonjour, mon nom c'est Sean. Je suis le brand manager de Motoracer DS et je travaille pour Nobilis. La franchise Motoracer, c'est une franchise qui a séduit plus de 20 millions de joueurs depuis l'année 97 quand le jeu est sorti en premier sur PC et PlayStation. Le succès de cette série Motoracer est lié à son gameplay beaucoup plus arcade que simulation et c'est ça qui fait que le jeu a été un hit chez tout le monde. Bonjour, Bruno Chabanel, bienvenue à Artefact Studio. Aujourd'hui, nous attaquons à Motoracer DS. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Berlioz, je suis le chef de projet sur Motoracer DS. Motoracer, on a le GP. Le motocross. Le freestyle. Et un mode trafic où on pilote la moto dans une ville avec des missions, des duels. On a vraiment essayé de tirer au maximum sur les capacités de l'ADS pour permettre aux graphistes de se lâcher le maximum. Et eux, de leur côté, ont vraiment fait un travail de précision à la main pour que les décors soient le plus beau possible. Avec notamment une direction artistique impressionnante, j'y crois. Faire en sorte que le jeu soit accessible aux joueurs novices, ça c'est très important, sans pour autant mettre de côté les joueurs confirmés qui eux voudront un vrai challenge. On s'est dit qu'il serait intéressant d'utiliser le stylet uniquement donc pour la conduite. Avec le stylet, on trace deux lignes, en deux lignes on a une figure, on les enchaîne très rapidement, très facilement. Motoracer DS.